On lance tout de suite, il n'y a pas de temps d'attente. Il y avait 52 joueurs. Parfait. Ouais, non, franchement. Ah bah maintenant, il n'y en a plus que 4. Ah non. Retour à Crash. Ah là là. Allez. En tout cas, franchement, Roku, t'as fait un parcours exemplaire. Hein. T'as réussi à faire la finale, du coup. Là, on est top 1 ex aequo. Ah. Top 1 ex aequo ? Avec qui ? Avec l'équipe qui vient de faire top 1. Ouais, exactement. Je ne donnerai cependant pas plus les résultats derrière, car il faut conserver un petit peu de surprise. J'ai les dents qui tremblent du stress. Allez, ça va le faire. On ne saute pas sur la pente parce qu'elle gagne de la vitesse. Okay. On attend un petit peu que ça se débouche. À part si on est premier. Non, merde, je suis tombé. Non, mais c'est. Non, mais aussi. Oh non, je vais jamais réussir à passer les premières phases, c'est scandaleux. Ah, salut Ellie, ça va? Ok, attention. Okay, oh non, mais je vois pas. Tellement de chance. Ok, tu vas pas full tout droit. Oh non, franchement, sur clavier c'est immonde. Sur clavier c'est immonde. C'est difficile. Tout va bien. 20-21. Comment ça? Allez, je suis juste devant S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je suis pas passé. Ah, salut Giorgio. Comment ça? Je suis passé. Je suis normalement pas passé, je suis scandaleux. Je suis passé. T'es passé? Je suis passé. Ok. Ellie, oh, non, je pense que t'es passé, hein? Moi, je suis pas passé. Moi, je. Ah, non, je suis pas passé. Non, moi, je suis pas passé. Toujours en 2 par 2. Je suis désolé, c'était le RERB à la Japan Expo, c'était... Giorgio, Siro. Ah, et bah, bonjour Giorgio. Hein. Ça devrait bonjour, pas, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai une manette débilus. J'ai pas ma manette, je l'ai oubliée chez moi. Vous pouvez me manquer, hein. Là, je... Non, il faut grâce hein, d'avoir oublié sa manette. Hein. Ouais, non, j'ai pensé à tout ce qu'il fallait, sauf à ma manette. Et vraiment... C'est le plus important. Ah ouais, non, je suis vraiment dégoûté. On est là. Je pense que je vais passer sur la. Ouais, non, je vais passer tout droit. Ellie, je suis sur ta POV, bon courage à toi. Je suis sur Saldino. Ok. Allez, okay, tu peux le faire. N'hésite pas à sauter dessus. Ouais, n'hésite pas à sauter sur le tapis pour pas te faire trop entraîner. Ok. Attention, tu attaques Ellie. Ok, il y a le marteau si jamais, mais à déconseiller. Tente pas. Et quand tu sautes sur le deuxième, deuxième trampoline, tu peux plonger pour arriver directement à la première marche. Ok. Go. Stop. Nice. Oh là là, il y en a beaucoup qui sont devant toi. Il y en a qui se font éjecter. Allez, tu peux le faire. Ils ont pas le timing. Ils sont pas doués. Tu peux le faire. Allez, Ellie. Non, doucement, doucement, Ino. Ouais, c'est bon. Hop. Alors j'avais dit que je faisais comme ça. Ouais. Et hop, tout droit. Nickel. Okay. Oh, juste à côté. Let's go. Juste à côté, c'est bon. Ça. Parfait. Super. T'es passé, Ellie? Oui. Ellie était juste derrière toi. Ellie était juste derrière toi. Je passe en support là. Ellie, t'as l'impression qu'Ellie s'est beaucoup entraînée? Non, absolument. Alors, je tiens juste à dire, pour les personnes qui se demandent, je ne suis pas chez moi, je suis dans un endroit où il y a la fibre, il y a de quoi avoir une bonne connexion. Donc, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que pour le tournoi, j'ai fait plusieurs fois les trajets entre chez moi. Aïe. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai fait déjà plusieurs fois le trajet entre chez moi et là où je suis avec la tour de mon ordinateur. Donc, imaginez un débilus dans les transports avec sa tour d'ordinateur, c'est moi. C'est pas une blague en plus, hein, vraiment. J'ai pris plusieurs fois les transports avec ma tour d'ordinateur pour justement streamer le tournoi correctement. Appréciez cette qualité que je ne peux pas offrir tous les jours, cette qualité qui ne m'est pas offerte car la fibre n'est toujours pas chez moi et n'y sera pas avant au moins 3 ou 6 mois.
Je suis actuellement dégoûté, mais j'essaye de le dire avec le sourire. Oh, Inno tente de passer. Oh, il... Oh non, non, il est... Ah, il peut tenter de rattraper. Il peut tenter. Il n'y a encore pas beaucoup de gens derrière. Il y en a encore qui sont tombés. Il peut tenter de se qualifier. Inno et Ellie sont juste l'un derrière l'autre. Aïe, 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 aïe. Il va falloir qu'il passe. Il va falloir qu'il passe s'ils veulent que tout se passe bien. Normalement, ils sont bons. Ils sont qualifiés. Let's go. Ouais, non, mais je me suis fait hit de manière phénoménale. 17 en lice, ce n'est toujours pas une manche finale. Beaucoup trop nombreux, bien évidemment. Et Sweet Alico, tu as tout à fait raison. Je l'ai dit et répété, mais oui, si vous voyez un débilus qui se balade dans le centre-ville un jour avec un sac beaucoup trop lourd pour lui, sachez que ce débilus, c'est moi. Aïe, 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 aïe. Mur sans frontières, une map que pas beaucoup de gens a rencontré hein, pour le moment. Il y en a peu qui ont de l'expérience dessus, et malheureusement, ça va être autant de la coordination entre les équipes que de la coordination et savoir ce que font les autres joueurs. Et là, il va falloir prendre en compte son environnement. Ça va être une game très compliquée pour ceux qui découvrent. Ça va être une game un peu plus solide pour les habitués. Il y en a qui sont habitués. Ça se voit tout de suite. Ils ont profité du déplacement fait par quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça peut tenter? Ah non, ça ne peut pas tenter. Non, non, il va falloir changer de plateforme. Aïe, 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 aïe. Ellie, oh là là, j'espère qu'Ellie va pouvoir passer. Ah, si près du but. Non, là ils sont beaucoup trop loin. Non, ils peuvent y arriver. Oh non, mais Ellie qui va pas réussir. Ah là là, dommagé. Ah non, je suis vraiment dégoûté pour Ellie. Vraiment, là je suis dégoûté. Allez, est-ce que ça va pouvoir réussir à monter à temps? Les gens ne sont pas friands. Normalement, ça devrait passer ici. Oui, ça passe! Inno a trouvé la faille. Inno a réussi à passer. Est-ce que ça va être le cas d'Ellie? Non, malheureusement, je ne pense pas. Il y a beaucoup trop qui passent. Malheureusement, non. Malheureusement pour Ellie, c'est non, c'est au revoir. Nous avons encore Inno, nous avons encore beaucoup de gens. Je prends les screens des noms, bien entendu, pour noter les résultats. Cependant, ce sera des manches. Les manches finales, j'ai l'impression que ça tourne autour de 3 ou 4. Là, ils sont encore trop nombreux. Je vais devoir noter tous les noms. Super, merci. Super, Kadmos. Pépite. Excusez-moi, je suis en train de noter. Je suis juste en train de noter les noms. Voilà. Mariana. J'ai la strat, mais elle est chiante. Allez, est-ce que ça peut le faire? Est-ce que ça peut passer? Et Inno, aïe, aïe, aïe. Kadmos.
Aeros, donc Aeros et Moriana, c'est l'équipe 11. On va aller voir un petit peu où c'en est du côté des participants. On a déjà 6 éliminés. Ino a réussi à survivre jusqu'au bout. Nous avons une personne qui vient de tomber. Nous avons encore Elros, Imoriana et Pépite. Soit l'équipe, soit deux équipes de VTubers et une équipe de skimmers. Ino vient de tomber, malheureusement c'est la chute. Oh, actuellement l'équipe d'Imoriana. Imoriana, oui j'ai vu, mais malheureusement comme je le disais, je ne vais pas interdire le grab car c'est, ça reste dans le jeu. Même si je l'ai déconseillé, il y a toujours moyen de jouer avec. Et malheureusement, bah, c'est le jeu. Ah là 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 là. Combat acharné entre Pépite et Elros. Est-ce que l'une des deux équipes va pouvoir le remporter? Ah là là, ça se joue désormais entre Imoriana. Ah non, et c'est déjà ton terminé. Et c'est Elros qui remporte le plus 4 points. Aïe 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 aïe, félicitations. Aïe aïe aïe, désormais ça change la donne car oui, ça va être compliqué. Aïe 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 aïe. J'ai besoin donc je vais avoir besoin de savoir qui est. J'essaie de chercher un petit peu où je fais les scores, hein, bien évidemment. Je suis en train de faire les scores. Team de. Est-ce que Elros fait partie de la team du gagnant de tout à l'heure? Je ne dirai absolument rien là-dessus. J'ai qu'à checker, hein. De toute façon c'est dans le Discord. Oui, oui. Vous pouvez checker, vous pouvez tout à fait. Non, checker. Non, c'est l'équipe de Serena, c'est ce qu'on a eu au début. Ok. J'ai plus de points. Ah bah trop, fallait économiser. Je pense, j'ai l'impression que Elros il est là, il a mal à son dos à force de carry tout le monde. Si tu t'abonnes, tu gagnes 1,2 fois plus de points de ouais. Chaîne. Ouais. Donc ouais. Si tu peux te refaire. je suis en train de noter toutes les équipes. J'essaye d'avoir les différentes équipes. Alors. Bon, parfait. Déjà on gagne un point. Là c'était une finale à 11, ça veut dire qu'il y a au moins au max 11 équipes qui ont pris un point. Tout à l'heure il y avait que. Je me disais, c'est quoi ça se mange. Et pourquoi je me fais bonk? Oui, je sais. Allez, je le sais, il n'y a pas besoin de le dire. Allez. Alors, les gars. 22. Ça, c'est 22. Tac, tac, tac. J'ai presque envie de. Je me suis fait focus sur la finale. Gentle Goose. J'en suis formel. Alors, c'est équipe 20, ça aussi. Je suis en train de tout noter, hein. ça prend un petit peu de temps. Attendez. Parce que Perry est reconnaissable. Entre tous. Ah. Par contre, on est témoin que ma chute est illégitime. Je ne devais pas tomber. C'est vrai que c'était une chute assez étrange. Tu es en train de dire que ça ne joue pas? Queen Smolder, je sais pas. Oh boy. On était si proche. Ouais. Si proche, mais si loin. Ouais. Au moins, on est en finale. Ouais, mais comment? Au moins, on est passé. T'es en train de me tuer, là. Ah, oh, mais ça me fait du bien sur le front, s'il te plaît. Non. Sur le front. Oh, du coup, pardon. Il reste chaud. Ça, c'est neuf.
Je me fais bon sans arrêt. Non mais qu'est-ce que vous avez là? Ça essaye de payer le. T'es trop un weird guy. Je suis en train de checker toutes les équipes et il me manque une personne. Allez là. J'ai juste une petite partie de survie là, dès le début, une course survie là. Dès le début, et puis après. On part. J'ai l'impression que vu qu'on a exactement la même seed, on va dire. Attends, je parle. Je suis à toi. Vu qu'on a la même seed avec le même code sur le même lobby, les maps sont les mêmes. Oui. Donc la finale sera toujours la même. Non, normalement, les finales changent. Je suis formel, les finales changent, peu importe si c'est la même seed ou pas. T'es sûr? Parce que oui. Ça fait quand même 3 fois qu'on se tape la même finale et il n'y en a pas trop. Oui, bah écoute, on a juste... c'est juste mal foutu. D'accord. Cherche pas plus loin, c'est vraiment juste mal foutu. Donc, on va pouvoir... attendez, je passe vite fait prévenir un petit peu une équipe. Je reviens tout de suite. Allô ? Logique de dire 80. Moi, c'est la même. Bon, je sais, oui. C'est pour ça que moi je t'appelle Ben encore, même si j'ai entendu ton prénom, tu vois. Ah oui, c'est vrai que Mathis, oui. Ouais, Zébulon, je vais l'appeler Zébulon, tu vois. Je vais pas. Non, c'est Mathis. Bonsoir, Harper. Oui. Ah, salut, Siro. Alors. Rovinia. Alors, j'ai bien vu vos messages. Pour la 53e personne, je ne sais pas qui c'était, malheureusement. Ouais. Et depuis, elle n'est plus présente. Donc. Ouais, elle est donc. Bon. T'as vu les messages aussi? Oui, j'ai vu qu'il y en avait qui grabent. Et ouais, Le sale pendant les courses, c'est dégueulasse. Ok, et je m'en vais les prévenir tout de suite. J'ai pété un câble. Et puis le fait que je suis désolé, mais la partie à 53, c'est pas ouf, tu vois. Parce que clairement, ça veut dire qu'il a pu prendre la place de quelqu'un d'autre, tu vois. Bon, certes, il a été éliminé visiblement. Oui, mais je sais bien, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de checker tous les pseudos présents. C'est bien qu'avec 53 personnes présentes, c'est difficile de savoir qui est qui. Mais dans tous les cas, ça a été cette histoire est réglée juste pour être sûr que tout le monde soit bien prêt. Et je m'en vais prévenir Naxi et Zoldyr. Ne vous inquiétez pas. Cependant, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous sens quand même un petit peu remonté. Je tiens juste à dire que j'essaye de gérer comme je peux, mais j'ai malheureusement que demain. Et je peux pas jouer avec les pieds, c'est compliqué. Siro, je t'en veux pas à toi. Hein. Oui, non, je sais. J'en veux à personne d'ailleurs. Hein. C'est juste que là, tu fais du bon travail. Ouais, tu fais du bon travail, c'est tout. Y a pas à chier. Tu fais ça tout seul en plus. Je pense que. Enfin, GG à toi. C'est juste que tu vois. Petit bout par petit bout, moi j'ai tendance un peu à m'énerver, je suis sanguine, mais c'est pas contre toi. Je sais bien, non mais je préfère prévenir dans tous les cas. C'est un dos sur ce Discord, Siro, et je vais ban les deux là qui ont grab. Dans tous les cas, je m'en vais prévenir Naxi et Zolier, et après je lance la game. Allo, désolé de vous déranger, Naxi, Zolier, on me prévient que vous faites du grab intensif. Si vous continuez comme ça... J'ai demandé à ce que les crabes ne soient faits que uniquement les manches où c'était nécessaire, pas vraiment sur les autres maps parce que ça reste une compétition, donc j'ai pas envie qu'il y ait des imprévus entre les. Mais justement, c'était bien le jeu de grab, non? Oui, mais derrière, ça reste quand même aussi un peu de skill pour chaque personne d'essayer d'arriver vers la fin. Donc dans tous les cas, je venais juste prévenir. Si vous pouvez grab uniquement sur les épreuves qui sont vraiment là où il y a du grab. Par exemple, je pense notamment... Si on gagne une manche grâce à un grab, logiquement, il n'y a pas de problème. Oui, s'il y a une course, on tue un gars et que du coup, on gagne la course, je vois pas le problème. Ça reste cependant le principe du « j'essaye de faire en sorte que toutes les équipes passent un bon moment » et bien entendu... les équipes ne s'amusent pas, derrière, j'ai plus ça moi aussi. Ok. C'est juste que 3 petits grabs, ça va pas changer grand chose.
Ouais, mais dans tous les cas, faut éviter de trop en faire. Voilà, c'était juste pour prévenir. Okay. Donc, oh, pas de problème. Juste, je vous souhaite bonne chance pour la suite et je m'en vais lancer. Oh, bah, c'est moi quoi. Et voilà. Ah, et le retour. Voilà, le retour. Oui, donc. C'est bon. C'est bon, les histoires sont réglées. Et ok. Oh là là, les scores sont si serrés. Je pense qu'il y a trois équipes premières. Ici, on a fait. Si c'est trois équipes premières, sachez une chose, c'est que c'est chaud patate, parce que en fait, la roue de la destinée va décider. Mais attends, mais s'il y a cinq équipes égalité... Non, je ferai en sorte de... S'il y a des équipes à égalité, pour la première place, je ferai en sorte de faire une manche spécialement rien que pour ces personnes. En extrême. Oh. Cependant, extrême. Il faut que je... Ouais, voilà, en extrême. Hein, vraiment, ça va être immonde. Si tomber une fois, t'égale t'es décédé. Pour de bon. Ok, let's go. Ikuzo. Allez. Oh, je suis tout derrière. Je suis tout derrière. Je suis juste devant Ino. Aïe, 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 coup dur. Attends, X pour le dire. Attends, Yaina. Oui, bon. Oui, Yaina. Ok, pourquoi pas. Oh non, je suis tombé. Garde le rythme. Non, chute. Non, je... Vraiment, le faire sans la manette, c'est immonde. C'est immonde, ce jeu. Ok. Alright. Oh, ça va, il bouge pas les dernières. Ok. 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 Je tombe. J'ai tombé. Ah, salut, Ino. Non, je suis tombé entre deux trampolines. Oh, Nick. Ok. Allez, ça va aller. Calmez-vous. Maîtrisez-vous. Je suis qualifié aussi. Maîtrisez-vous. Je vais pas. Oh non, il va encore falloir des places que je pense. Disponibles. Allez, dernier jump, Eddie. Vas-y, tiens. Let's go. Bien joué, Eddie. Hiro. Oui, je vais me qualifier. Je suis qualifié. Okay. Let's go. Let's go, Siro qui est qualifié. Première fois enfin. Passée. La première fois qu'il passe la première manche. À cause de son PC, c'est pas grave, à cause de son clavier souris. Ouais, au round de numéro 4, première manche passée, c'est un enfer. Non, vraiment, c'est un enfer. Ça y est, Siro est maintenant irrégulier. aïe. On rappelle que c'est le nom de la team. Parce que vous avez voulu vous foutre de ma gueule, mais au final, on est aussi irréguliers les uns que les autres. Merde. Oui, sauf que moi, j'ai fait deux finales. T'as fait deux finales, bah, c'est peut-être à mon tour. Oui, bon, un chute. Peut-être tous ensemble. Après, la partie où j'ai pas fait de finale, je suis mort dès le début. Hein, donc, les gens, main dans la main, on peut le faire. Ouais. Pour celle-là. Allez. Bon, celle-là va être tendue à 37 parce que je pense qu'il va y avoir 28 qualifiés. Ça va être 28 ou 26. En tout cas, ça risque d'être serré. Ouais, et surtout, là, il va falloir obligatoirement passer sur le haut. Et ouais, ça dépend du placement. Oh, je suis derrière, putain de merde. Où est-ce que je suis? Je me suis perdu moi-même. Non, toi, t'es devant, je crois. Ah, oui, je suis tout devant. Je suis devant à gauche. Let's go. Je crois que j'ai crash, mais je suis encore en chargement. Ah. Ouais, j'ai crash. Oh non. Lorsque c'est pas moi, c'est Ellie. Non. J'ai crash. Non, je suis tombé. Bon, c'est pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux toujours rejoindre le milieu après. Oh non. Okay. C'est juste qu'il y a trop de monde. C'est. Ok. Ça, on peut le faire. Je bloque le chemin pour les autres, comme ça il y a moins de qualifiés. Par contre, là, faut se concentrer. Ouais, il va falloir se concentrer. Désolé si on ne parle plus trop du coup. Je suis qualifié. Non. Calmez-vous. Je suis qualifié. Ok, nice. Je vais pas pouvoir me qualifier. Non. C'est pas trop long.
Trop loin, non, je suis tombé, j'ai pas réussi à me rattraper. Ah putain de merde! Ino, ah, dans la team, ensemble. Ouais, je suis là, je suis là. Vous pouvez le refaire, le top 1. Vous pouvez le refaire. C'est bon? Allez. Allez, je vais voir si j'ai reçu des messages d'insultes ou des gens. Prévenir mais des gens qui ont été. Personne mon crash aussi. Ah non, par contre, je suis vraiment désolé pour ton crash. Je suis vraiment désolé. On a 26 sur la trappe queue, on a peut-être. Ça arrive. Alors, sachez une chose, je viens de me mordre le bras, j'ai saigné un peu, juste pour ne plus trembler. Mais ce mec est fou. Ouais. Ah oui, non, mais suis... là, il y en a qui sont vraiment stressés. Oula. Alors, la même tactique, là, si jamais, je préfère vous prévenir. C'est pas la peine d'aller chercher les queues tout de suite parce que ça vous met plus en danger qu'autre chose si vous n'en avez pas une. Si vous en avez une, vers les 20-30 secondes. Ouais, commencez à bouger vers les 20 dernières 30 secondes. Comme ça, on vous prendra pour une offensive, on passera devant vous. Et il y en a qui peuvent faire des erreurs comme ça. Ino, t'as une queue ? Ouais, Ino a une queue. Ino a une queue, donc il est obligé de courir. Malheureusement, j'ai une queue, donc je peux pas trop faire des dingueries. Roku, je te conseillerais de rester vraiment immobile. De pas aller immobile chercher les. Ouais. Je crois qu'il y aura des gens qui viennent directement vers moi. Oui, regarde, par exemple là. Allez, tu peux le faire, tu peux le. Non, là t'es pas doué. Non, là Roku, c'est. Là c'est scandaleux. Il y a pas de ma faute, oui, je sais. Ah bah bonjour. Comment ça, je l'ai pas vu? Comment ça? Ah bonjour? Attends, c'est pas Ino? Ok. Ouais, non, là c'était Ino. Ouais, mais je vais me la faire choper la queue. Donc... Bizarre dit comme ça, pas mais. Trop ouais, bah de toute façon, c'est. Oh là là, 8 secondes, faites gaffe! Ah là là. J'ai pas de queue, je suis désolé. Let's go! J'en ai une! GG Ino. Oui. Ino qui passe! Let's go. Heureusement, oui, je crois en toi, Ino. Putain! Bah, franchement, le mini-jeu des queues, c'est 50-50. Hein. Soit ça passe, soit ça casse. Oui! Oui. Vas-y, sautera sans moi. Oui! Putain, let's go! Aïe aïe aïe, coup dur. Pire l'ornithorynque, garde sa queue. Et ouais, mm-hmm. Et moi je repars en commentary parce que je suis bon. Qu'est-ce ça? Oui! J'ai un léger sable. Oh non! T'as fait ton mieux. Oui, t'as fait ton mieux. Est-ce que c'est une manche finale? Allez, non, c'est pas une manche finale. Donc souviens-toi, ne focus pas sur les goldés. Ouais. C'est à part s'il y a un goldé devant toi, mais ça m'étonnerait. Ok, il y a le goldé. Oh, as always. Yup. Agent In. Allez, là, c'est parti. On va vérifier les maps, les points de vue de chacun. Il y en a qui ont déjà réussi à voir. Ouh, Harper est très bien. Harper est déjà qualifié. Oh, Harper a été d'une rapidité sans nom. Ino galère. Oh, Ino quand même a réussi à choper. Il faut qu'il chope un 3. Il faut qu'il chope un 3. Il va aller chercher les autres cerceaux pour se faire un peu de points. Ah là là, coup dur. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il tente. Il a 8 points à chercher. 8 points. Allez, plus qu'un. Non, il y a plus que 2 places pour les 8 qualifiés. Il ne lui en manque plus que 1. Allez. Il peut le faire. Non. Coup dur. Ah, quel coup dur, vraiment. Oh là là, quel dommage. Je suis tellement triste pour lui. Il était à ça. C'est moche, vraiment, c'est moche.
éliminé sur le saut, éliminé juste devant l'anneau, alors qu'il touchait, qu'il léchait l'anneau du bout des lèvres. Malheureusement, il a été éliminé par la capacité des joueurs à passer à une vitesse. Harper a été vraiment rapide, hein. Rapide, mais de fou. Hein. Ah là là, on regarde désormais les POV de chacun. Aïe aïe aïe. On va aller suivre un petit peu Harper. Je sais qu'il a été, qu'il n'a pas joué récemment. Vixo. Vixo, franchement, je sais pas. Franchement, je te dirais, je t'autorise à 2 grabs grand max. Je sais que c'est limité, mais là, pour le moment, ça risque d'être une map surtout, très, très classique. Hein. Il n'y aura pas trop de chutes. Il y a toujours 8 personnes. 3, 4... Ouais, il y a toujours 8 personnes. Donc là, c'est juste vraiment sur le skill et le fait de bien maîtriser ses os. Mais non, normalement, je ne l'autoriserai pas parce que vraiment, c'est... On est là pour le beau jeu. On est là pour tenter de se qualifier avec son skill et pas en empêchant les autres. J'espère que vous êtes tous parés. Ah, et il y en a... Kaoyu qui chute. Ah, voilà, il y a eu une chute déjà. Les 7 ont pu se débrouiller sans aucun problème. On voit des noms qui sont revenus assez souvent. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. On voit des nouveaux noms. On voit des noms qui sont présents assez souvent. Dans tous les cas, c'est compliqué. C'est une game. Voilà, j'ai noté les noms. Ils sont désormais inscrits si jamais c'est une manche finale. Kiyu avec une autre map. Linkel aussi. Putain, mais ce jeu est buggé. Quand je vous disais que ce jeu était buggé, je vous le disais. Ah là là, c'est toujours pas une manche finale. Coup dur pour les joueurs, coup dur. Coup dur, oh sacré coup dur. Toujours pas une manche finale. On va voir combien vont pouvoir se qualifier pour la suite du parcours. Il y aura qu'une seule personne qui ne pourra pas passer. Non, 2. C'est ça, c'est exactement ça. 2 personnes ne pourront pas passer. Coup dur. Ce jeu est full buggé. Je suis navré de le dire. Harper se débrouille bien. Il prend les bumpers. Pendant ce temps, Poki, qui fait partie de l'équipe de Niastra, réussit à prendre des saves. Harper a quand même réussi à se placer bien devant Gentle Cruz. Gentle Cruz qui a fait un parcours pour le moment quasi sans faute. Il se débrouille très très bien, ce Gentle Cruz. Ah là là, Froze qui arrive. Malheureusement pas à trouver un moyen de sauter. Kinshi se débrouille bien, Gentle Groove saute très très bien, réussit à passer dans les premières places. Oh là là, mais ce joueur, oh là 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 là, je pense que je pourrais bientôt l'appeler pro du Fall Guys. Harper et Zoldier sont passés, Pépite aussi, ah là là, coup dur pour Pokiton et Froze. Je note les noms comme toujours. Les noms sont notés. Harper, grave intensif. Fact. Vous l'avez grabé, il vous aggrabe. Je pense que c'est un juste retour des choses. Je préviendrai bien évidemment juste après. Encore ? Toujours pas la manche finale. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux.
Donc bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes désormais sur la quatrième round de ce tournoi de l'illustre coupe Interstreamer. Une coupe qui se voit affronter plus d'une vingtaine d'équipes de streamers. J'espère que vous avez apprécié ce tournoi tout au long de ces différents streams, aka la qualification des VTubers et celle-ci. Je sais, j'ai un seum immense, j'en voudrais toujours à la NCCF. Oh, Gentle Groose, il n'a pas de temps à perdre, il ne passe pas par le dessus. Il est déterminé et il est surtout d'une rapidité sans nom. Zoldyr se fait éjecter. Coup dur, Gentle Groose, mais il est quasiment déjà arrivé. Il est tout de suite arrivé, c'est incroyable. Tac. Et voilà, nous avons nos 4 qualifiés. Ah là là, coup dur. Oh là 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 là, je revois des noms. Ça risque d'être compliqué. Ouais, alors, je tiens à préciser que tout ce qui est config de tournoi, aka les maps et le nombre de rounds pour la manche finale, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je vais peut-être aller prévenir les autres équipes. Alors, avoir 3. Là, je vais prévenir les autres équipes parce que c'est plus possible. ça dure trop longtemps. Ça dure trop longtemps. La RNG. C'est pas grave, hein. Tu peux pas faire autrement. Hein. Et voilà, faut éliminer une plus de gens, quoi. C'est la RNG, c'est comme ça. Et en plus, il y a des marteaux. Est-ce qu'il va tenter le marteau? Ouais, Gentle Groose, il va tenter, je crois. Aïe, aïe, ouais, non. Gentle Groose, pour le moment, se débrouille très bien. Il a fait, franchement, des parcours. Il se débrouille très bien. Ah, ouais, non, franchement. C'est un parcours pour le moment quasiment optimal. Ah, c'est lui, Atro. Oh. Pépite. Gentle Groose, c'est Atro. Alors, je recherche ça. Je sais que j'avais eu. Là c'est le combat entre Harper et... Oh. Pépitao. Ok. Pépitao a l'air d'avoir un peu d'avance. Non, c'est Harper. C'est tendu. Harper qui ne se prend qui se mange pas de fruits. Il est passé. Passe. Gentle Groose qui est dans l'équipe de Zoldyr et de Naxi. Ah, donc là. Ah, merci Jeff KD. Malheureusement, on pense pas gagner, là, mais t'en fais pas. Alors, tu penses pas gagner, n'en sois pas si sûr. Alors, c'est simple. Si Gentle Groose gagne là, ouais, ça risque. On a perdu. Si Gentle Groose gagne là, il faut absolument que aucun de ses teammates arrive en finale à la prochaine. Putain, mais c'est toujours pas. Je suis en train de mourir. Eh, là ça va être deux. Aucun de ses coéquipiers arrive à la finale et lui aussi, et que nous on gagne la cette finale. Faut qu'on gagne la prochaine. Une version très facile. Oh bon sang. Le jeu est broken, mais oui, mais oh là là. Ok, Harper et Gentle Groose, ils vont se battre là parce qu'ils démarrent presque au même point. Ok, il y a juste le vent, ok. Oh. Gentle Groose prend le vent, très bien. Ouais, mais Harper. Oh, ils se sont pris le. Gentle Groose qui se prend les boules de neige. Nickel. Okay. On est sur la partie. Facile. Facile. Ok. S'il vous plaît, faites que Kinshiro et Harper. Oui. Let's go. Ouais, mais là, il va rattraper son retard sur les fours, je pense. Non. Au niveau des timings, il a un délai. Au niveau des timings, il a un délai, malheureusement. Retard. C'est le cas de le dire. Il s'est pris le. Ouais, il s'est fait dégager. Il s'est fait dégager. Let's go, Harper. Oui, il s'est bien fait dégager, donc ils ont. Kinshi contre Harper. Est-ce que je peux avoir en face les deux rentrent. Let's go. Oui, finale 1v1. Je peux avoir cette finale, j'en peux plus, je me râle cul. Voilà, Harper et Kinshiro. Ça dégage, Gentle. Ça dégage. Ah là là, c'est safe.
En vrai, ça m'arrange, ça nous arrange énormément que eux ils passent pas parce que du coup, on est à égalité toujours, je crois. Allez, c'est un d'équipe en premier. C'est probable. Bon là, c'est enfin une finale et les égalités. Oui, bah MDR, enfin. Pardon. Mais pourquoi? Est-ce que il y a qu'une seule personne qui va pouvoir arriver ou les deux? Non mais non, là c'est broken. Là c'est broken. Non, je crois que c'est les deux. C'est les deux, là, c'est obligé. Je tiens à m'excuser auprès de tous les chats. Si vous venez me voir à cause des soucis du tournoi, sachez que je n'y suis pour rien. Ce jeu est tout cassé. Je n'y suis absolument pour rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette course? Mais normalement, mais tu sais que c'est possible qu'il y ait deux qualifiés, hein, et pas juste un. Donc, genre, ils doivent juste finir tous les deux. Ouais, non, mais je sais. Et c'est ça qui m'inquiète. Après ça peut être une course. Après ça peut être vraiment une course de finaliste. C'est une course et... Ouais, non, c'est ça. C'est pas une course de finaliste. De toute façon là les deux. Ça me rappelle la semaine dernière où les deux finalistes, vous savez, ils ont dû traverser des portes. Jeu de merde. Je ne peux plus. Oh, c'est la nuit. Harper qui s'en sort plutôt bien, j'ai l'impression. Ah là on fait les commentateurs là, c'est pas comme si on avait trop le choix. Hein. Vous n'avez pas trop le choix effectivement, mais venez commenter avec moi. Ce jeu est tout cassé. Pendant ce temps, il y en a qui parlent de figurines. Vraiment, il y en a qui ont la flemme. Prochaine fois on fait sur Apex. ou soit, moi j'ai proposé. Alors tout à l'heure t'étais pas là, mais j'ai proposé un crab game aussi. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais il y a les mêmes soucis de temps en temps où il y a des rondes où il y a des maps où tout le monde peut se qualifier. Il y a des maps où aussi aucune personne peut se qualifier. C'est encore plus random. Après, ça peut faire en sorte d'un peu équilibrer les casuals et les pros, parce que les pros Apex, eux, ils vont forcément gagner. Ouais, les pros Apex vont nous péter le cul. Enfin, après, moi, je suis pro Switch, mais bon. J'ai bien joué à Apex. J'ai jamais joué à Apex. Et... pour l'instant, je ne réfléchis pas au prochain tournoi. J'essaye déjà de réfléchir à ce tournoi-là. Qu'il essaye de se terminer. Je veux qu'il se termine, s'il vous plaît. Il va se terminer dans 30 minutes, j'imagine. Allez. Bon, ça devrait être enfin la finale, parce que si c'est encore une course, Bah là, j'ai. Je mange mon point. Si c'est pas encore la finale, je change la room. Vraiment, je fais une autre room. Elle est annulée. Là, c'est plus possible. Elle sera annulée. Non, elle sera pas annulée. Rhinocéros. Inno, tu rêves. C'est pas possible, ça doit être la finale. On va faire toutes les maps du jeu. Bon, bah, je vais devoir manger mon fils. Oh là là. J'espère que madame ne te regarde pas de façon très très dégoûtée. Ah bah si t'avais vu son regard Il sort de là. J'aimerais bien. Fais-nous de la ASMR pour passer du temps avec toi. C'est une souffrance. Pascale. La prochaine sera la finale, je l'ai dit. En espérant que j'arrive. Non mais là c'est plus possible. Là c'est vraiment plus possible. Si la prochaine c'est pas la finale. Si la prochaine c'est pas la finale, je crée au scandale et je considérerai la prochaine comme finale. Peu importe si c'est une finale ou non. Mark my words. Par contre, Harper va avoir un temps de pour arriver là, parce que il y a Kinchi qui va arriver et Harper est. Il aura 15 secondes, je pense. Et qu'il va avoir 30 secondes pour arriver. Donc ça peut peut-être se finir. Ça se joue un jeu mental entre les deux joueurs. Ah, il a un peu attendu. Il a attendu. C'est fair play, c'est jeu, c'est délicieux, c'est beau à voir. Non, les deux sont qualifiés.
C'est du championship, c'est délicieux. C'est ce qu'on veut voir le plus. Si on se passait à mettre... Mais même mon chat me troll. Mais sachez que j'aimerais que qu'il y ait une fin. Sachez que j'aimerais qu'il y ait une fin. Ce serait bien, ce serait bien. On a pensé à mettre une finale dans le pot. Je n'ai absolument... Comme je le disais, je n'ai absolument aucune contrôle. Je m'en vais les prévenir, si jamais c'est pas une manche finale, je considérerai comme finale. C'est finale, oui. Je vous l'avais dit, je l'avais prédit. Merci Ellie, tu es notre prêtresse, tu es la sorcière à la boule. Les gens qui étaient en train d'attendre, qui étaient à bout. Oh là là, tous les participants. J'imagine comment le chat général se transforme en un taux de hype. Ce serait mieux que ce soit Kinshi qui gagne, je pense. Oui, je pense. Pour être le mieux au niveau de notre équipe. Oh boy. Par contre, ça va être long. Oui, ouais, bah, là, du coup, ça va être ultra long. Ça va être un enfer. Bon, c'est parti pour une autre manche, mais cette fois, c'est une finale. Donc, cette fois, pas un gagnant, pour sûr. Oh. On peut dormir sur nos oreillers. Hein. On note les prénoms, on parle de ceux qui sont finales ou ça va, ça va. Merci Ino, mais là je pense que c'est pas trop compliqué. Hein. C'est pas comme ça si j'avais noté les noms il y a déjà 5 manches. Ce qui est désormais véridique en plus. N'hésitez pas à me follow, je fais souvent des blagues. ça va être très bonne raison. Follow. Oh, à tous les coups, ils vont le faire durer à l'infini, mais non. Non. Là, Harper, quand même, un gameplay. Là, Harper qui joue dangereusement. Là, Non, il joue pas dangereusement. Il joue en faisant en sorte de casser le plus les dalles possible. Là, il essaye de terminer déjà les dalles de premier, enfin de deuxième et troisième niveau. Il veut juste les dalles. Ouais, ça joue stratégique, alors que du côté de Kenshi, ça temporise. Harper, lui, fait tout l'inverse. Harper lui défonce littéralement tous les sols. Harper il casse. Harper là il en a marre. Harper là il veut que la finale Harper, le joueur métal avec du heavy dans les oreilles en train de. Je pense que pour Harper. Mais attention, jouer avec le feu ça peut brûler les ailes. Rappelle que cette map est glissante. Donc attention, ce tryhard. Il y a un gros tryhard qui se fait des deux équipes. Des deux côtés. Hein. C'est des stratégies différentes, mais avec un même objectif, survivre et surtout faire chier l'adversaire. Du côté de Kinshi, ça joue la survie pure pour essayer d'emmerder au plus son adversaire, qui de son côté, lui, joue agressif. Harper me fait avoir des crises cardiaques. Je pense que... Ah, ça y est, Kinshi commence à aller de passer à l'offensif. Ouais. Ça se voit, même s'il joue encore très tempo. J'avais l'impression que Harper essayait de couper la map en deux pour essayer d'isoler Kinshi. Oui, non, mais c'est une stratégie qui fonctionne. Hein. Et surtout, c'est une stratégie qui s'est révélée payante pas mal de fois. Oula, pour les hexagones. Ouais. Mais je vois que Harper joue très dangereux. Il joue avec les limites oh, de la map. Kinshi qui essaye de le... Ok. Est-ce que ça va réussir à couper la trajectoire? Est-ce que Harper va réussir à s'en sortir? Est-ce que son jeu agressif va emmerder Kinshi? Ou est-ce que c'est la survie de Kinshi qui va réussir à passer tout ça? Est-ce que la patience va régner sur... À votre avis, est-ce qu'ils sont dans un stress absolu là, les deux là? Je pense que ça est en train de trembler des deux côtés. Ah, ça a failli glisser du côté de Harper. T'es dangereux au niveau des limites. Oh là là, il joue avec le feu. Il joue très très le beaucoup avec le feu. Oula. Il a failli passer. Il a failli passer. Kinshi le rejoint. Kinshi le rejoint sur ses plateformes. Ça risque d'être une bataille acharnée. Oui, mais je pense que Harper, s'il joue bien, peut aller en face. Kinshi essaye de lui couper un peu la route. Qui malheureusement ne marche pas et Harper qui utilise les dernières plateformes pour aller de l'autre côté. Harper a décidé de jouer la stratégie, mais je pense que Harper a gagné. Je sais pas. Niveau strat,
Est-ce que ça risque d'être compliqué parce que des deux côtés, il y a un accès à beaucoup de plateformes. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a plus de plateformes du côté de Kimchi. Ah, j'ai l'impression de jouer. Il y a plus de plateformes du côté de Kimchi. Ça risque d'être désavantageux pour notre cher Harper. Il va falloir qu'il joue. Non, il est tombé. Oh, il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. C'est la victoire pour Kimchi. Kimchi a gagné. Enfin. Oh, il s'est fait karmater. Il s'est fait karmater. Dieu merci. Il y en a qui sont contents que ce soit fini. It's been. Oui. C'est pour faire monter la tension pour la dernière manche. Waouh, incroyable, incroyable. Ah oui, c'est vrai, dernièrement, j'ai passé dans toutes les équipes pour prévenir.